Attention Ali pour Scarlett Turbo également bien parti avec Aladdin des Cajoles au centre le Mose, un petit peu plus en dehors Best of Jets, alors que Satan Avril le numéro 2 est parti au galop et a perdu toute chance. Thiago Détang est pour l'instant en dernière position avec également Vision Intense, ces deux favoris qui sont pour l'instant à l'arrière du peloton. Un peloton emmené par Attention Ali qui va être relayé par Scarlett Turbo, Aladdin des Cajoles, c'est la Casaque Verte qui vient tout près, troisième à la corde. Le Mose est au centre devant Astor Duquet, Annulant Duval, Best of Jets, tous bien groupés, suivis par Moving On, Ulster Perry est parmi les derniers avec Vision Intense et Thiago Détang, le favori qui pour l'instant ferme la marche. Scarlett Turgot qui a l'avantage avec maintenant à trois quarts à son extérieur à la dernière cajole. Attention Ali qui est là tout près, il y a beaucoup de rythme en début de parcours. Voilà maintenant en dehors Best of Jets qui se rapproche. Best of Jets, le numéro 5 qui va venir rejoindre les premiers pour se diriger vers la descente. Les deux favoris sont toujours à l'arrière du peloton. Vision Intense en avant-dernière position et Thiago Détang qui pour l'instant ferme la marche avec bientôt le bas de la descente. Sous l'impulsion d'Aladin des Cajoles qui est venu prendre le relais devant Scarlett Turgot, Best of Jets qui s'est placé troisième alors qu'on a disqualifié. Apparemment Vision Intense serait disqualifié numéro 15 en raison de problèmes d'allure. On va attendre quelques instants pour la confirmation. Le 15 est disqualifié, Vision Intense pour problème d'allure, et Thiago Détang est toujours à l'arrière du peloton. 1500 mètres à couvrir avec Aladin des Cajoles qui laisse dérouler en tête. Aladin des Cajoles qui a pris plusieurs longueurs mais qui se retire de la course. Disqualification à son tour d'Aladin des Cajoles pour problème d'allure lui aussi. Direction maintenant la montée pour Scarlett Turgot qui hérite du commandement devant Attention Ali avec également Best of Jets. On a beaucoup réduit l'allure en tête du peloton et il y a quelques remous au sein du peloton. Athéna de Vandel s'est libérée de l'emprise du peloton alors que Thiago Détang, le favori, est toujours parmi les derniers avec Ulster Perrin. On va se diriger vers les 1000 derniers mètres. Scarlett Turgot avec Best of Jets, tous les deux qui emmènent toujours les premiers, suivis par Attention Ali. Hulon Duval qui tente de se rapprocher, Test de Villeneuve qui vient maintenant à l'extérieur rejoindre pratiquement Olmos qui est en quatrième position. Plusieurs concurrents tentent de faire mouvement, c'est le cas d'Athéna de Vandel qui vient maintenant à l'extérieur avec Ulster Perrin également qui quitte l'arrière du peloton tout comme le favori Thiago Détang. Direction bientôt le tournant final avec la course maintenant qui est véritablement lancée. Test de Villeneuve qui vient vite avec Best of Jets pour tenter de déborder Scarlett Turgot. Athéna de Vandel qui vient en dehors et Thiago Détang qui passe maintenant à l'attaque et qui vient complètement à l'extérieur. Tournant final bientôt, Best of Jets qui met la pression sur Scarlett Turgot suivi par Attention Ali, Test de Villeneuve, Thiago Détang qui reste un peu en suspension, Athéna de Vandel qui tente également de refaire du terrain et Hulon Duval qui attend l'ouverture, sorti bientôt du tournant. Best of Jets toujours à la lutte avec Test de Villeneuve, avec Scarlett Turgot qui repart à la corde, accélération de Scarlett Turgot qui tente de mettre KO ses adversaires. Scarlett Turgot qui a pris deux longueurs sur Test de Villeneuve, Attention Ali qui vient également et en retraite Thiago Détang avec Moving On. Ligne d'arrivée pour Scarlett Turgot qui a toujours l'avantage, Test de Villeneuve qui lui porte son attaque. Scarlett Turgot, Test de Villeneuve, Scarlett Turgot, Test de Villeneuve et Moving On qui vient très très vite en dehors. Moving On qui attaque Scarlett Turgot, Attention Ali également qui vient à Star Duquesne qui plonge à la corde. Scarlett Turgot qui a toujours l'avantage devant Moving On. Scarlett Turgot qui l'emporte. Scarlett Turgot qui emporte le Cornouiller, j'ai l'impression. Moving On à la photographie avec Astor Duquesne. Attention Ali et Test de Villeneuve également tout près. Eh oui, magnifique victoire de Scarlett Turgot qui ne demande rien à personne puisqu'elle a été dans la bagarre depuis le début et elle a su se montrer courageuse. C'est exceptionnel parce que y avait du monde à venir titiller pour finir. Astor Duquesne qui a trouvé le jour à la corde. À 50 mètres du poteau, j'ai dit il va peut-être venir gagner. Attention Ali était là aussi tout le temps. Et Moving On qui court très très bien à l'extérieur. Thiago Détang est venu dans le dernier tournant et il a calé pour finir. Incroyable lutte, Jean-François, c'était terrible. Hein, tout